Le CEO Van der Varen, on est ici aujourd'hui à Auderghem. Tu étais aussi gardienne ce soir pour l'équipe Espoir. Parfois, vous êtes aussi gardienne dans l'équipe A. Comment tout se passe à l'Union pour vous? Tout se passe bien. Je n'ai pas de stress, je joue calme. Tout se passe bien pour l'instant. J'espère qu'on est championne cette année. Et je vais essayer de renforcer l'équipe P2 pour aussi être championne. Oui. Mais ça sera plus difficile que l'équipe A, je pense. Hein? L'équipe B, parce qu'avec Wallin. Oui. Mais le match aller et le match retour ont déjà été joués. Donc, et elles ont beaucoup plus d'avance sur nous. Donc c'est compliqué maintenant de revenir. Sachant qu'ils vont gagner tout le reste de leur match, je pense. Et ça va être compliqué. Oui. Vous êtes une gardienne déjà moderne, hein? Parce que vous jouez beaucoup avec le pied aussi. Hein? Oui. C'est l'avantage que j'ai eu dans mon passé, c'est que j'ai été joueuse. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai un bon jeu au pied. Et c'est difficile de changer équipe A, équipe B parfois? Non, ça va. C'est mieux pour moi. J'aime bien je gère. Et tu as des exemples dans le foot que tu dis, c'est une gardienne que j'aime bien ou... Oui, il y a Sarah Boadu. Je m'inspire beaucoup d'elle. Et il y a aussi Manuel Neuer. Et aussi Yann Sommer. Je m'inspire beaucoup d'eux. Et de Thibaut Courtois aussi. Et maintenant, il y a encore quelques semaines, donc le titre avec l'équipe A, et tu espères encore le titre avec le B, hein? Oui, bien sûr. J'espère. Je vais essayer de sauver mon équipe pour arriver à atteindre cet objectif. Ok, je vous remercie. Bonne chance pour la suite. Merci.